Bratanov va pouvoir négocier ça. Oui, très joli de la part de Philippe. Il avait anticipé, Bratanov avait flippé. Très joli point, oui. Bratanov qui était en grosse difficulté, il était loin de la table. La excellente accélération du revers qui a surpris Philippe Sève. Philippe Sève qui prend les risques. On va sur le ralenti ici avec un revers sur le ventre de Bratanov. Philippe Sève, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui continue à servir en revers. Il a essayé un service long rapide qui n'a pas du tout surpris Bratanov. Tous les pongistes servent des deux côtés, échangent en fonction de la tactique, ou bien certains ne servent que d'un côté? Oui, Bratanov par exemple ne sert qu'en coup droit. Ah, il peut encore courir Philippe. Hein, oui. Et de nouveau Bratanov qui perd ce point alors qu'il avait fait le plus difficile. C'est pas du tout du show. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est souvent blessé. Il a peut-être peur d'encore se rebaisser à l'épaule. Et c'est ces grands mouvements là de ce match qu'il oui. craint en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il joue les petites amorties. Évidemment, entre nous, Philippe Sève, il lui en faudrait pas quatre, hein, des échanges non, comme non, ça. Non, non, non. C'est sûr que pour Bratanov, perdre un échange comme ça. Philippe Sève qui est essoufflé. Voilà, de nouveau, il est obligé de reculer. Ça, c'est pas bon pour lui. Alors, évidemment, voir, si Bratanov lui donne ce genre de points comme sur le point précédent, ouais, comme dans le set précédent, là, ça peut changer la donne, évidemment. Ah, et c'est 3-3 dans cette troisième manche et un set partout. Donc, comme on l'avait prévu, match très serré pour le moment entre les deux hommes. Bratanov qui essaye une petite claquette du revers, un petit mouvement pour contrer l'attaque de Philippe, c'est ce qu'on appelait un bloc tout à l'heure. Sa balle est sortie de quelques centimètres. Et là, petit flip de Philippe Sève qui lui permet de prendre un petit avantage. 5-3. Qui s'était débarrassé en quart de finale de Anthony Mack c'est Jean-Michel Sève qui avait battu Mack. Philippe Sève, lui, il s'est débarrassé de Sébastien Massard. 4-7-1, donc pas trop de difficultés. C'est Jean-Michel Sève qui avait battu Anthony Mack en quart de finale. Bratanov, lui, s'est débarrassé de Damien Delobe en 6 manches, 4-2. Nous voir ici encore son downspin, vous avez vu où la balle de Martin Bratanov est partie, il l'a réalisé de manière exceptionnelle, vous allez voir ici sur le ralenti, regardez où il prend la balle avec un effet coupé, et regardez là où la balle où elle part, de Martin Bratanov, où elle part, elle est à 1m50 de la table. Il n'y a que lui qui peut réaliser. C'est vrai, il n'y a vraiment que lui. Oui. Aussi bien, oui. J'avais tendance à dire qu'un Waldner, par exemple, possédait tous les coups du tennis de oui, table. Mais Waldner, c'est encore autre chose. Ce genre de coup, je n'ai jamais vu Waldner le faire. Par contre, il avait d'autres armes dans son jeu que lui aussi était le seul à pouvoir réaliser. Ce qui n'a pas empêché Philippe Sève de le battre 7 fois, on l'a dit tout à l'heure. C'était vraiment sa bête noire. Parce que je pense qu'il doit être le seul à l'avoir battu 7 fois dans sa carrière. Oui, absolument. C'est vraiment marrant, ça, d'ailleurs. Hein. C'est surprenant de pouvoir battre celui qu'on a appelé l'extraterrestre longtemps, aussi souvent, et de ne pas avoir fait une meilleure carrière, entre guillemets, hein, parce que je crois qu'il peut regarder dans le rétroviseur et être fier de lui aussi. Oui. Hein. Vous savez, parfois, Philippe Sève ne sait pas à quoi s'attendre. En 1989, au championnat du monde de Dortmund, le petit Philippe, on le met pour la première fois dans l'équipe, on joue contre la Chine, il fait deux contre la Chine, qui est champion du monde depuis un certain nombre d'années, il gagne deux matchs contre les Chinois. Donc ça, c'est un petit peu tout fil.
dirait qu'il s'est fait un peu mal, Philippe Sepp, sur ce coup-là. On va aller chercher cette balle-là. Hop, il boitille un petit peu. De chance pour Bratanov, repartir à 9 8 pour lui. Le moment important de cette rencontre, un de plus. Ça va jouer dans des détails hein, ce match. Voilà, balle passe quelques centimètres, de nouveau grosse prise de vue de la part de Bratanov. C'est à 100% de puissance à chaque fois. Alors c'est 9-9 dans le troisième set, un set partout entre les deux hommes. Ipsev est au service. Service gagnant, un set qui pourrait être important. Deux grosses fautes de la part de Bratanov, 9 partout. Mon retour de service, là, c'était effectivement pas très bon et ça offre le set à Philippe Sev, 2-7-1. Là, au lieu d'essayer de démarrer cette balle simplement en rotation sur la table, non, il essaie d'y aller à 100% de puissance. Ça ne peut pas passer à tous les coups. Un Philippe Sev qui mène 2-1, mais qui a l'air d'avoir beaucoup de mal physiquement. Hein. C'est incroyable. Hein. Physiquement. Je ne sais pas s'il sort de ce match-là, s'il va vraiment pouvoir inquiéter son frère. Hein, parce que... De ce que j'ai vu aujourd'hui, personnellement, je pense que non. Ah non, je pense pas non plus. Hein. Je ne sais pas s'il s'est pas entraîné beaucoup ces derniers temps. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques kilos en trop, mais il a vraiment l'air d'avoir du mal. Peut-être un petit bobo quelque part hein, qui l'empêche de se déplacer. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir beaucoup de mal, oui. Effectivement. Alors, un petit bout d'interview aussi avec le papa de Philippe et de Jean-Michel. Jean-Paul, vous suivez dès que possible les enfants ici, le championnat de Belgique, évidemment, c'est une belle occasion. Alors, dès que possible, oui. En tout cas, il y a certainement 25 ans, probablement, que je suis cette compétition. Et avec des fortunes diverses, mais pas toujours très différentes. J'imagine que dans votre chef, on espère une finale traditionnelle Jean-Mi-Philippe. Ben oui, pour moi, je dis toujours que le championnat de Belgique est terminé quand ils sont tous les deux en finale. La finale ne m'intéresse plus tellement. Là, comment vous vivez le match? C'est assez serré avec Philippe. Hein? Ah oui, c'est assez serré parce que Philippe est resté sans entraînement pendant un certain temps. Et il est coincé par un joueur quand même du niveau international, Martin Bratanov, qui est leur équipier en équipe nationale, mais qui est très bien capable de faire des performances sur des joueurs. Des joueurs de haut classement, quand même. Ok, merci beaucoup, Jean-Pascal. Voilà, donc il ne s'est pas entraîné beaucoup, nous dit-il. Donc voilà l'explication. Et ici, ce point est magnifique. Hein. Ouf. C'est pas passé loin. Oui. 3-3, hein, c'est toujours serré. J'ai pas noté les résultats des trois premiers sets, mais 2-3 points d'écart à chaque fois. De nouveau Bratanov qui est en difficulté, qui essaie de forcer en étant assez loin de la table. Plein du rebond que la balle a fait sur la table. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Peut-être problème au niveau de la balle. Parce que vous savez que depuis qu'on a grossi les balles, c'est-à-dire de passer de 38 à 40 mm, la qualité des balles est nettement moins bonne. Elles sont plus grosses, donc elles sont moins dures. Et donc il risque parfois d'avoir un rebond un petit peu différent. On a grossi les balles pour les ralentir, pour ralentir le jeu, bien oui. Du spectacle. Pour le bien du spectacle, mais les joueurs se sont très très vite adaptés aux balles de 40 mm et il n'y a pas vraiment eu énormément de changements, peut-être un petit peu moins d'effet que précédemment, mais le jeu en lui-même, les joueurs professionnels et même amateurs s'y sont adaptés très très vite.
Enfin, ceci dit, la rapidité des échanges nuit moins au spectacle, par exemple, que le premier service en tennis hein, oui, absolument. Qui est devenu vraiment un handicap pour le spectacle. Oui. Hein, sur des surfaces comme le béton et l'herbe, c'est devenu un peu pénible. Il m'a pas semblé qu'en tennis de table, le spectacle est baissé autant. Hein. Non, pas du tout. Le spectacle n'a sûrement pas baissé. Non, je pense pas, ils ont fait ça pour l'améliorer. Et c'est sûr que je vais dire que maintenant, après 5 ans avec ces grosses balles, le niveau du jeu est pareil à ce qu'il était auparavant. Il faudrait peut-être faire une petite compétition avec des balles de 38 mm pour voir la différence. Serait marrant, oui. Et toujours aussi serré, c'est Bratanov qui prend l'avance d'un point 7-6 dans cette quatrième manche. Je vous rappelle que c'est 2-7-1 pour Philippe Sev. Philippe qui rate son service, 8-6. J'ai l'impression qu'on est parti pour un match en sept manches. Hein. Possible. Je pense que 9-6 à deux points d'une égalisation à deux manches partout pour Martin Bratanov. Au service, oui, là il n'y a pas de pardon évidemment sur un retour de service aussi haut. Oui. Quatre balles de 7 pour Martin Bratanov, une seule suffira apparemment. Elle revient sur la table. Il veut pas frapper. Non, il a peur de son épaule. Encore une fois, genre de point qui. Il doit le conclure et là, hop, il a peur, il ne tape pas. C'est Philippe Sev qui vient. Parce que bon, lui, mais il a tapé la balle en fait dessous. Non, voilà. Je disais bien, la balle est quand même passée de l'autre côté du filet. L'arbitre voulait donner le point à Bratanov. La balle de Philippe était absolument bonne. Voilà, et ça c'est assez mal joué. Heureusement pour Bratanov qu'il a encore 3 balles de 7 derrière parce que. Ouais, et là on a déjà loupé deux. Hein. Un point comme ça dans le deuxième set, troisième set et puis encore maintenant une dans le quatrième set, ça peut faire mal. Parce qu'avec 4 balles de 7, oui. Si jamais Philippe Sev prend ce set là, je crois que le match est terminé psychologiquement. Tout à fait. Alors Martin Bratanov, deux services maintenant pour tenter d'égaliser. Oh, il lâche rien, Philippe Sev là-dessus. C'est bien joué, vous voyez, il ne bouge pas beaucoup. Là, ici, il reste près de la table, il contrôle. Et là, ça, c'est la meilleure manière pour lui pour pouvoir éventuellement remporter cette rencontre. Surtout, ne pas reculer. Bratanov qui prend son temps mort. Il sait que le moment est très important. S'il perd ce 7-6, je pense qu'il peut dire au revoir au match. Donc, il vient de louper 3 balles de 7. Il lui en reste une à 19 pour égaliser. Deux manches partout. Rien à perdre, Philippe Sev, hein, sur ces quelques coups-ci. Oui. Avec le talent et le bras qu'il a, s'il reste près de la table, il peut encore, même sans bouger, gagner encore de bons matchs. Maintenant, s'il recule, il n'a pas beaucoup de possibilités. C'est la différence entre Jean-Michel et Philippe, c'est la rage, c'est si Philippe l'entraînement avait travaillé autant que son frère, je peux vous dire, c'est vrai, il était un champion extraordinaire. Je pense, hein. Voilà, en tout cas, il perd le. Le 7, ça veut dire que le temps mort était positif. C'est quoi un temps mort? Parce que chaque joueur, on va expliquer à nos téléspectateurs, chaque joueur a le droit, pendant un match, de prendre un temps mort d'une minute 30, qu'il peut prendre quand il veut pendant la rencontre, mais un seul. Comment est-ce qu'on prend ces temps morts en général? Mais quand on vient de perdre une longue série de points, ou à un moment ici où Philippe Sev va sauver 3 balles de 7, donc il doit casser le rythme de Philippe Sev, et c'est pour ça qu'il a pris le temps mort à ce moment-ci. Et à bon escient, visiblement, oui. Puisque ça a cassé le rythme de Philippe Sev, qui voit son adversaire égaliser à deux manches partout. Un match qui dure, hein. Oui. 2-7 partout, et il peut encore durer. À suivre après cette rencontre, la finale dames, et encore après, la finale messieurs. Donc on est encore parti pour une bonne heure 30 de tennis de table en direct. Allez, début de la cinquième manche. Martin Bratanov. Je ne sais pas si on dit Martin ou Martin. On l'appelle souvent Martin. D'accord. Il est au service. 1-0 pour Philippe Sev. Un joli service, hein, Bratanov. Oui. Aussi, à ce niveau-là, il y a eu des changements dans, dans,
dans la réglementation du service, la balle doit être visible par l'adversaire depuis le début jusqu'à la fin du mouvement. Auparavant, lorsqu'on pouvait, je vais dire, cacher un petit peu la balle, il y avait vraiment un service très, très, très performant. C'était vraiment son gros point fort. Maintenant, il est toujours bon comme service, mais il est moins surprenant que précédemment parce que l'adversaire peut voir la balle à tout moment et donc mieux lire l'effet donné à la balle. Il y a un petit temps, ça, déjà ? Il y a 3 ans, maintenant. Alors, c'est 3-1 pour Philippe Sève. Belle accélération. Oui. Bien placé, plein coup droit de Bratanov. Vous parliez tout à l'heure de Philippe Sève qui est plus organisateur que joueur. Donc il prépare déjà sa reconversion. C'est ça. Et notre régional tournésien Cédric Mercher, mais lui, a découvert aujourd'hui ce que c'était d'être en même temps organisateur et joueur. Cédric Mercher, mais qui a été arrêté justement par Philippe Sève en 8e de finale, on le verra tout à l'heure dans un petit reportage, et on pourra aussi demander dans le courant de l'après-midi à Cédric Mercher comment il a vécu cette journée en tant qu'organisateur et en tant que joueur. Il espérait beaucoup de cette journée parce qu'il revient vraiment au top. Il est à 13, je crois, mais il va remonter dans les 6-7e places belges. Il est en plein boom et je crois qu'il espérait devant son public être un petit peu mieux aujourd'hui, l'ami Cédric. Mais enfin, on verra tout cela avec lui tout à l'heure. Dans cette 5e manche, Philippe Sève a pris un bel avantage, oui. Un 8-2. La première fois qu'il y a un si gros écart entre les deux hommes. Absolument. Martin Bratanov a, je pense, laissé passer sa chance. Dans les 7 précédents, il aurait pu mener, à mon avis, 3-7-1. Il a fait quelques petites erreurs à des moments cruciaux. Il est mené 8-3, Martin Bratanov, dans cette 5e manche, très importante, évidemment. 8-4. Il n'a pas dit son dernier mot. Claquer le pied comme ça en servant. Oui, oui, ouais. Pas de problème. Il a encore tenté, Philippe. C'est défendre comme il pouvait. Attention, hein, parce qu'il a fait la moitié de son retard. Hein, déjà, oui. Bratanov, en quelques secondes, il est passé de 8-2 à 8-5. Oui, 8-6. Très belle accélération du revers. Là, c'est cool, il n'a plus rien à perdre. Mentalement, ce sont des machines, les joueurs de tennis de table. Hein. C'est vrai que... C'est un sport où, bien sûr, mentalement, il faut être très fort. Il faut avoir un gros pouvoir de concentration. Jouer, comment est-ce qu'on fait? On joue point par point? On ne s'occupe pas du point, score? Absolument, ouais. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas penser au point en série, jouer point par point. En fait, c'est pas évident. Parce que les joueurs de... Qui nous écoutent, que ce soit au tennis de table, et qui joue vraiment en amateur, beaucoup ne peuvent pas le faire. Hein. Je parle d'expérience, c'est vrai qu'on a tendance à s'occuper du score, oui. D'encore penser pendant 2 points à l'erreur qu'on a faite, etc. Et en tennis de table, c'est pas possible. Hein. C'est ce qu'il ne faut sûrement pas faire. Mm-hmm. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque les joueurs de tennis de table commencent à jouer au tennis, ils progressent très vite, parce que leur pouvoir de concentration... Très fort, et donc généralement les joueurs de tennis de table qui commencent à jouer au tennis montent très vite dans les classements. Et vous jouez, vous, hein, vous êtes bien classé, je crois, au tennis. Hein, j'ai un bon petit classement. Attention, parce que Philippe Sève n'a toujours pas gagné, hein, cette 5e manche. C'est 18, encore 2 balles de 7, bien sûr, mais c'est lui qui récupère le service, soigner son service, empêcher Bratanov de démarrer. Et d'un autre côté, lui essayer de prendre l'initiative. Donc 18 points, ouais, donc ça fait un multiple de 6, donc on peut s'éponger. Bien joué de la part de Bratanov, 3e balle de cette sauvée. Est-ce que Philippe va demander son tambour maintenant ou pas? Apparemment non. Non. Thank you.
la remet encore. Quel point extraordinaire, superbe. Superbe. Les deux joueurs ont eu tour à tour leur chance de remporter ce point. Évidemment, maintenant la tendance s'inverse, hein, parce que si Philippe Sèvres perd ce set-là, psychologiquement, c'est lui qui, oui. Qui est sans dessus-dessous, évidemment, hein, puisqu'il a mené 8-2, il a eu des balles de 7. On va voir comment Martin Bratanov va gérer ces points-ci, ou s'il y aura un relâchement ou pas. C'est gagnant. Balle de 7 maintenant pour Bratanov. Ah, c'est sûr que ça peut être un tournant dans la rencontre. Il n'est pas content, hein, Philippe Sèvres. On peut le comprendre. Allez, faire le vide et on est reparti. Bien joué, ah ouais, superbe. Bien joué. Enchaînement de revers tout droit. C'est ici qu'elle se joue, hein, cette demi-finale. Oui. Philippe qui souffle. Toujours à la recherche de son souffle. Allez, 11 partout. On va essayer Philippe Sèvres. Et lorsqu'il est loin de la table, il n'est pas performant. Là, Bratanov a quand même beaucoup de mal lorsque le plus difficile est fait. Il a quand même du mal à finir les points. Tout à fait. Toujours cette épaule, sans doute. Probablement. J'ai pas les gestes sont plus amples. Oui. Ah, c'est de nouveau une très grosse faute de la part de Bratanov sur une balle de 7. Le service de Philippe Sèvres était trop long. Personne qui veut le prendre, hein, ce cinquième set. 12-12. Des échanges assez inégaux, hein, oui. De beaux points et puis beaucoup de déchets. En tout cas, au niveau suspense, on est gâté. Hein. Là, par contre, ça c'est parfait. Enchaînement revers tout droit. Quasiment le même. Plus de balle très tôt. Il y a 2-3 points. Oui. Hein. Plus de balle très très tôt. Allez, nouvelle balle de 7 pour Philippe Sèvres. 13-12. S'en sort pour finir, s'en sort tout de même. On va dire que c'est si malheureux. Deux balles de 7, oui. Il menait 8-2. Il a eu deux balles de 7, 2 contre lui. Et finalement, il emporte 14-12. Donc, c'est 3-7-2 pour Philippe Sèvres qui va tenter de conclure dans quelques secondes. Bratanov qui peut s'en vouloir. Voilà, une rencontre qui dure. Hein. Si la demi-finale a été vite expédiée par Jean-Michel Sèvres tout à l'heure face à Marc Glossé en une petite demi-heure ici, il y a un petit temps que les deux joueurs sont sur le Taraflex. Et ça peut encore durer. Hein, ça peut encore durer. Je pense que Philippe a fait le plus difficile, mais vous savez, en tennis de table, c'est le match est quand même très serré. Les joueurs sont proches l'un de l'autre aujourd'hui. Et donc, qui sait, peut-être qu'il pourra assister à un septième set qui serait décisif. Il doit conclure, hein, parce que il doit se faire attention physiquement. Là, il ne doit pas faire durer trop les choses, ouais. Philippe Sèvres. Le match, là, il doit être un peu éprouvant pour lui. Ouais. Surtout essayer de ne pas reculer de la table, parce que là, il fait beaucoup de kilomètres. Allez, sixième manche. Au service, Philippe Sèvres. Premier point gagnant. Ah oui, il a tenté. C'était bien joué, c'était un très joli point. C'est rare, ça, hein, de voir ce genre de coup. C'est une montée... Monte au filet si vous voulez. Oui, monter à contre-temps ou c'est... Non, il essaye de ne pas subir le jeu de derrière, de venir
avec un petit mouvement, une petite, petite claquette de venir reprendre l'initiative. Pour ceux qui suivent le tennis de table, Zoran Primorac était vraiment le roi dans ce genre d'exercice. Et 2-1 pour Philippe Sev. Ouais, elle est belle, parfait. On a fait un petit truc dans son pivot. Philippe Sev l'a vu. Et là, Orbon, petit mouvement très court. Ça lui fait plaisir. Donc il voit le joueur partir, oui. Et il lui met volontairement un contre-pied alors. Absolument, au dernier moment, il voit Martin Bratanov qui est en pivot. Il n'est pas très heureux. Dans ce coup-là, comment vous l'appelez ? Le downspin. Le downspin. Il en a raté beaucoup, hein ? Oui. Alors, toujours Philippe Sev aux commandes dans cette sixième manche. 3 points à 2. Ouais, c'est bien joué. Très joli. On voit de nouveau que Martin Bratanov est en pivot. Il faut le ralentir ici. Regardez Bratanov. Il est déjà. Il remet la balle en défense. Là, il est en pivot. Philippe Sev le voit. Directement, il joue long de ligne. Il attend vraiment le dernier dixième de seconde, oui. Avant de porter son coup. Ça, hein. C'est le petit coup d'œil au dernier moment. Alors, ça lui fait un mini break, 4-2. Ballotage favorable pour le moment, l'ami. 5-2. Philippe. Je pense que Bratanov a un petit peu la tête en dehors du match pour l'instant. Philippe Sev domine l'échange. 6-2 maintenant. Je crois que dans la tête des joueurs, la partie est quasiment faite. Hein. Oui. Philippe Sev joue en vainqueur et Martin Bratanov en perdant. Ouais. 6-2. Je crois qu'il fait un effort, mais non. Je pense qu'il peut s'en vouloir, Bratanov, s'il perd ce match-ci. Il avait vraiment une possibilité de battre Philippe Sev. Elle est belle, très jolie. Souvent Philippe Sev, on voit depuis le début de la rencontre, va chercher les points dans le plein coup droit de Bratanov. Bratanov qui pivote trop vite et Philippe Sev le voit. Regardez là ici, on voit plus sur le ralenti. Allez. 7-4. On est à 4 points d'une nouvelle finale entre les frères Sev. Point très spectaculaire, top spin, les deux joueurs sont loin de la table. Et ça tombe dans l'escarcelle de Philippe Sev qui fait le trou, 8-4. À 3 petits points de la victoire. On s'éponge et on souffle un petit peu. Trop loin de la table. Revers qui s'écrase un petit peu. 8-5. La tête qui sort de quelques centimètres. 9-5. On l'avait dit tout à l'heure, le set précédent était important. Oui, parce que ce set-ci, Philippe Sev le mène de bout en bout. Va-t-il conclure? À mon avis, oui. Oh, il rattaque. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le coup qu'il fallait au moment qu'il fallait. Hein, vraiment. Son downspin. Bratanov tape. Et là, il est présent. Il recontre-attaque en étant à 3 mètres de la table. Et ça fait 5 balles de match pour Philippe Sev. Oh, il est coin de table. C'est rare. Hein. Petit coup d'œil. Vers vous, Thierry. Oui. Vous connaissez bien. Oui, je m'entends très bien avec Philippe. Encore une fois, c'est le côté sympathique du tennis de table. Hein. On est dans son match, mais on garde encore un petit côté pour plaisanter. Allez, deux balles sauvées par Martin Bratanov.
balle de match sauvée. Plus que deux pour Philippe Sèvre. Ouais. Attention. 18. Prendre tout son temps, prendre la serviette, s'éponger. Moment important ici. Hein. Ouais. On sent la tension dans le public aussi. Il n'y a pas, on n'entend pas un bruit dans la salle. Martin Bratanov au service pour rester dans cette demi-finale. Et voilà, Philippe Sèvre qui rejoint son frère en finale. Ce sera dans une bonne demi-heure après la finale dame qui nous attend là dans quelques instants. Victoire en 6 manches, 4-7 à 2 pour Philippe Sèvre. On l'avait prévu, un match beaucoup plus serré qui s'est joué dans les détails et dans les erreurs de Martin Bratanov. Oui, un moment important dans cette précédente.